Bonjour YouTube, alors sur cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous partager mon voyage à LA que j'ai fait avec mes deux acolytes, Julie et Manon. Donc ce voyage à LA, on a décidé de louer une voiture dans un endroit qui s'appelle Dirt Cheap Car Rental. Je vais vous l'écrire en bas, vous inquiétez pas. Et parce que je veux vraiment que vous notiez cette adresse si vous avez moins de 21 ans, car aux États-Unis, quand vous êtes mineur, enfin moins de 21 ans du coup, c'est très dur de trouver un endroit pour louer une voiture. Cet endroit-là, justement, autorisé quand on a 18 ans à louer une voiture. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul, ou en tout cas, c'est le seul que j'ai réussi à trouver sur San Diego et qui, en plus, n'était pas très cher. Donc voilà, on a loué notre petite voiture, on est logé dans un Airbnb et on est parti 4 jours. Le signe d'Hollywood, normalement vous devez voir un tout petit ligne blanche, c'est ça le signe d'Hollywood. On est vraiment trop loin, donc plus tard dans la vidéo vous allez voir, on a réussi à se trouver un petit spot beaucoup plus proche, donc faut attendre, c'est plus loin. Ça y est, on y est. Bon, on n'est pas dans le bon sens. Ah si, si ça dépend. Oui, c'est les gens pas connus. Ah d'accord, c'est pas les gens connus ici. Je peux avoir mon étoile, moi je suis pas connue. Voilà, alors c'était notre première journée et ensuite vous allez voir, on était dans notre Airbnb. Pour la première nuit, on n'était que toutes les trois, donc bon, c'est vrai qu'on a fait un peu les folles, hein. Je vous laisse voir ça. Donc voilà, on est arrivé. Julie! Stanley. Repeat after Manon. Stanley. Et là il meurt. Ah, on va vous montrer le deuxième chat. C'est pas un truc en... Il est où? Ah mais merde, il est sous le lit maintenant. On lui a fait peur. Charlie. Je me cache, cache. Mais c'est pas juste parce que quand j'ai dit normalement c'est pas censé bouger là. Charlie. En français, où est Charlie? Il bouge pas. Tu bouges. Charlie. Coucou. Le pauvre, on est en train de le traumatiser là. Ouais, ce qui se passe Charlie. Quand t'as pas vu des chats pendant deux mois. Charlie. Les grosses touristes. Et tout avec nos caméras. Warriors fans. Yes. Yeah, you know, like they are two or three days left until they are done. Yeah, I know. But here's the thing though, is Marlene King is bon alors là en fait on nous emmène sur le plateau, hein, notre chauffeur professionnel. Voilà. On va traîner les derniers épisodes de Pretty Little Liars. Ouais, ouais. Ça fait 7 ans qu'on est sur le plateau et franchement, je suis super triste d'écouter tout le monde. Ça y est, on a trouvé un endroit pour voir le signe d'Hollywood, mais beaucoup plus proche. Tada! On l'a trouvé! Et ça monte dur. Hein. Qui? On dirait qu'il va bouger.
on se ressemble, hein. On peut la faire tomber. Parce qu'il y a des feux. Qu'est-ce qu'il y a, Choumi? Je me mets du déo dans mon sac tout à l'heure. C'est pour ça que ça sentait le déo. Écoutez Margot, quand elle vous dit mais oui, ça va être cool, je vais conduire, on va aller à Los Angeles. Tout va bien se passer. On n'a pas eu d'accident. Ouais, pour l'instant. Bon, j'ai failli écraser une grand-mère. Et on a roulé à contre-sens. Ta gueule, faut pas le dire. Ah, j'attends mon raisin. Ouais. Parce que Margot, en plus de ne pas savoir conduire dans le bon sens, en plus il faut la nourrir. Alors, dernier jour à LA, c'est un parc, comment il s'appelle, Knott's Berry Farm. C'est le parc qui a été élu le meilleur parc en Californie. Il est super grand. Bon là du coup vous voyez plus rien, il y a juste les décos. Ah si, il y a une petite attraction là. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. On vient de sortir d'une attraction qui nous a trempé. Ouais, je crois que c'est là. On l'a fait trois fois. Et là on va faire une attraction où on est sur des poneys. Regardez, on est sur des poneys. Il y a Margot et Manon là-bas. Commencer. Et ça descend et ça monte. Mais c'était bien, je suis bien reposée. Enfin, c'est bien amusé. Voilà, c'est plus ça. Plus ça. Maintenant, Non, avant de se reposer, on a la route. Après, on fait dodo. Après, on hiberne pendant 4 jours. Oui, bah ça va. Elle fait dodo dans la voiture. Je peux pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'ai l'impression de me répéter en fait à chaque fin de vidéo, mais c'est vrai que, enfin je le pense vraiment, j'espère que les vidéos vous plaisent. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir ici, commentez-les. Si vous avez des questions sur des choses à faire à LA ou encore des questions sur comment louer une voiture, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, s'il vous plaît, likez, partagez, parlez-en avec vos amis. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaît ce que je fais et j'espère vous revoir très vite. Bisous tout le monde!